Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Professeur Layton et les France Village, chapitre numéro 4. Donc nous sommes toujours à la recherche de... je crois que le chapitre 4 s'appelle Enquête Nocturne, si je ne me trompe pas. Alors déjà, je dois vous prévenir de soucis techniques. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je joue donc à ce jeu sur un émulateur, sur PC. Le problème, c'est que l'émulateur ne veut plus faire de sauvegarde. Voilà, donc toutes mes sauvegardes finalement ne servent à rien, c'est génial. Donc j'utilise des save states. Le problème, c'est que je ne peux pas enregistrer les vidéos comme je faisais avant, en fait. Bon, j'ai trouvé une autre technique. Le problème, c'est que vu que mon ordinateur n'est pas performant, on va dire, eh bien il y a un décalage entre la vidéo et moi, en fait, entre les paroles, le son. Alors vous allez peut-être pas le voir, mais moi en gros, ça va me demander de redécaler ou de supprimer du son, par exemple. Moi, pendant 1h20, je vais parler, alors que j'aurais joué pendant 1h05. Vous voyez, il y a au moins 15 minutes de décalage. Bref, donc sur le coup, je pense que dans cette vidéo, je vais supprimer les moments de réflexion. Donc je pense que d'un autre côté, ça vous arrange un petit peu, ça vous code à chaque fois. Et il y a une autre mauvaise nouvelle, par contre, mais celle-ci, elle est plus grave, c'est que... il n'y aura plus les précédemment. Bah oui, parce que vu que j'utilise les save states, que les sauvegardes finalement ne marchent plus, et ben il n'y aura plus les précédemment, malheureusement, et je pense que ça va durer jusqu'à la fin du let's play. Donc je m'excuse d'avance, voilà, je m'excuse. C'est vrai que sur le coup, ça m'embête, moi-même ça m'embête, hein, parce que j'aimais beaucoup les précédemment. Donc voilà, voilà, c'est dommage, c'est assez chiant. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent en logiciel, c'est Desmum. Voilà, donc les sauvegardes ne fonctionnent pas. J'ai cherché un petit peu sur internet, je sais pas comment faire pour régler ça. Ça marche pas. Y a plus rien qui marche, c'est un peu la galère. Bref, on va essayer de faire ce chapitre en tout cas avec les moyens du bord. Bref, donc nous allons commencer donc notre enquête nocturne. Donc excusez-moi mademoiselle, vous pouvez peut-être nous aider, nous cherchons quelqu'un. Désolé, je ne peux pas vous aider. Elle sert à quelque chose, elle au moins. Non, franchement, il me semble qu'elle nous a pas encore donné d'énigmes, elle. Hein. Ah, c'est surtout que j'en ai pas envie, en plus, je l'avais pas vu celui-là. Bref, donc Raymond, donc je le connais à peine et je me fiche complètement de votre enquête. D'accord. Salope. Oui. Ouais, il rigole. Et si vous m'avez dit à la petite technique, bah oui, bah je veux dire, tu me traites de trou du cul, y'a pas de chose que je t'aide. Bon alors, sur le coup, c'est parti pour notre première énigme. C'est excellent. Oh non, j'y suis nul à ça. Alors là, la pesanteur est 6 fois moins forte sur la Lune que sur la Terre. Donc cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre, ainsi qu'une balance sur la Lune, et que vous la pesez, donc elle dégage la balance. Ok, d'accord. Donc indiquera la balance. Voilà, donc sur le coup je vais couper les moments de réflexion. Donc à tout de suite. That should do it. Another puzzle solved. Bon bah sur le coup je vais pas vous mentir, j'ai fait deux erreurs, voilà. Donc au début je me suis dit que même si on est sur la Lune, le poids reste le même tout de même, enfin ça me semblait logique, donc j'ai mis plus de 100 grammes au final, donc ils m'ont dit que c'était faux. Et ensuite j'ai mis donc 100 grammes et on m'a dit aussi que c'était faux. Donc au final la réponse était la réponse B, moins de 100 grammes. Donc la balance indiquera un poids inférieur à 100 grammes. Bref, je vous laisse lire. On va donc avancer dans l'aventure. Alors pour vous, vous avez de la chance vous parce que vous n'avez pas l'écran ralenti. Mais moi j'ai le jeu ralenti, c'est horrible. Plus c'est les bugs de l'émulateur. Ah la vache.
Malheureusement, c'est le seul émulateur où je peux enregistrer, donc c'est vrai que c'est assez chiant. Bon, heureusement, l'histoire n'est pas gâchée en tout cas. Pour vous, du moins. Et on a gagné un morceau de tableau. Bon! Ok. Ok, donc le journal. Rumeur, d'accord. Bon, vous faites pause hein, s'il y a besoin. Si vous voulez vous immerger un maximum. Non, on dit pas immerger. Tiens, mais je vais le bouton. Bon, voilà, là c'est un but seul. On avance plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on est. On est plutôt pas mal pour le tableau. Bricole. Donc vous regardez, ça c'est excellent. Donc ça c'est la dernière sauvegarde que j'ai faite. Et pourtant, elle ne fonctionne pas. C'est excellent. Hein. Bref, donc sur le coup, alors, qu'est-ce qu'il dit? Cet endroit est fermé à présent, donc nous reviendrons demain. Ok, donc on va aller voir faire là-bas. Et on a bien fait. Pardonnez-moi de devoir vous déranger à nouveau. Avez-vous vu Raymond depuis tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait vu à la fin du chapitre 3, c'est vrai. D'accord, il nous baille encore à la tronche. Donc, bien mieux qu'à nous y. Oh, cool. Pièce SOS. Ah, et une énigme cachée. On était à 33 énigmes, hein, c'est ça? Donc, bon, on va essayer de... d'aller jusqu'à 45, allez, ça serait bien. Dans le pétri. Alors, un microbe se trouve donc dans une bouteille. Au bout de 2 minutes, ce microbe se dédouble. Une autre minute passe et les deux microbes se dédoublent à leur tour pour donner 4 microbes. Si ce processus se poursuit, la bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes au lieu d'un? How does this sound? Lightning's apprentice saves the day. Voilà. Bon. Pour le coup, celle-ci, je la trouve quand même assez simple, ça va. Allez, on avance. On perd pas de temps. Tout à fait exact, excellent travail. Merci. D'accord. Ah, bon, on va... Ah, oui. Tiens, quelque chose. Et c'est un morceau de tableau. Ah, je pensais qu'on allait prendre le bocal pour notre chambre. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Bon, bah apparemment non. Donc on retrouve par contre un petit morceau de tableau. C'est pas dégueu. Ah, une fenêtre, un morceau de fenêtre. Alors ça c'est pas mal. Est-ce que ça se colle? Non, j'ai pas l'impression. Je pense que ça se passe par là. Voilà. Je pense que ça donne un truc comme ça. Hein. Bon, pour l'instant, je sais pas trop. Hein. Alors, je sauvegarde, mais je c'est juste au cas où, on sait jamais, si la sauvegarde refonctionne, on pourra réobtenir les chapitres suivants. Bref. Coucou, toi. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir, je ne pas. Ok. Merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à retrouver. Oh, j'imagine que je vais laisser tomber près du parc cet après-midi. Je reviens à chercher moi-même, mais il faut. Ouais, bah oui, il se tonne. Vous avez pas tout le monde, votre âge? Bah, ça veut rien dire là, je suis désolé. Comment il juge? Je voulais bien essayer de retrouver. Nous sommes au beau milieu d'une enquête. Donc il faut qu'on retourne au parc? Nous sommes loin, ok. Parfait, j'attendrai votre retour ici, donc je compte sur vous. Bon bah on va retourner là où on était. Encore un détail, monsieur, que j'ai perdu exactement. Donc perdu, je... Ouais. D'accord. Ah oui, c'était ma montre. D'accord. Donc on recherche sa montre. Bon. Eh ben après le chat et Raymond, eh ben c'est une montre.
excellent. Est-ce que t'as pas vu une montre, toi? Là, j'ai encore perdu quelque chose. Entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête. Il s'aime toujours. Ok. Laissez-moi deviner sa montre. D'accord, ok. En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvé. Mais comme elle était déjà là, elle a décidé de le garder jusqu'à demain matin. D'accord, ok. Bon, bah, on va devoir aller donc à l'hôtel voir Béatrice. Ah, une petite énigme encore. Normalement, j'ai perdu noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme. Voilà. Ah, je crois savoir laquelle énigme il va nous poser. Je l'aimais bien, celle-ci. Je l'aimais bien. À la belle étoile. Ah non, c'est pas celle-ci. Pas du tout. C'est celle que je voulais éviter, celle-ci. Ah non, je l'aime pas. Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arriverez-vous à distinguer sur ce dessin? Donc, comptez séparément les triangles qui se chevauchent. Donc, moi, je vous conseille de faire pause sur l'image et ensuite de compter tranquillement. Bon, bref, c'est parti pour moi. There we go. Another puzzle solved. Bon, bah, je me suis encore trompé, hein. À croire qu'aujourd'hui, c'est pas mon jour, hein. Oh là là. Donc, bah moi j'en avais compté 13, en fait. Et sur le coup, je me suis dit, bah j'en ai peut-être oublié, hein, donc j'ai mis 14. Et par pur hasard, je me suis dit, bah peut-être que j'en ai compté un en trop, j'ai mis 12 et ça a fonctionné. Bah, ouais, non, mais c'est au niveau de l'étoile, la grande étoile, je sais pas, j'en ai compté un peu plus. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on est bientôt à 1000 picara, pas dégueu. Donc merci bien, je peux enfin rentrer chez moi, dormir un peu. Bah il en a bien besoin, hein. C'est Béatrice la gérante, donc ok. Donc on va devoir aller voir donc Béatrice. Un ours en plus, bon on va la donner quand même à Luc, ça me paraît logique. Quoique juste... Ah bah tiens. Voilà. Alors on va voir ce qu'il... juste par curiosité, on va voir ce qu'il en pense. Oh, salut petit nounours, ok. Et lui, il en pense quoi de ce que... D'accord. Bon, je sauvegarde, hein, mais... Je croise les doigts. Franchement, je croise les doigts pour... Pour que ça marche. Alors vous l'avez remarqué, j'ai toujours pas les flèches du jeu. Donc heureusement que je le connais, hein, ce chapitre, enfin celui-là. Par contre, les autres Professeur Layton, si on les fait, qu'il y a ce bug-là, vu que je les ai jamais fait, on va se marrer. Hein. Bonsoir vous deux, donc votre journée est terminée. Ah, cette vieillerie. Bah, sympa pour l'autre. Pour l'anglais. C'est pas terminé, hein. J'aurais dû m'en douter, ce type est vrai. D'accord. Vous savez, je me disais bien qu'elle me couvre. Bah, s'il perd souvent sa montre, c'est sûr qu'après, les gens, ils ont l'habitude. Moi, ça va, j'ai pas trop l'habitude de faire des choses, de toute façon. Ah, j'ai oublié juste pas que c'était Raymond, ne serait pas passé vous voir. Ah, bah, c'est bon, si ça intéresse à Raymond, c'est bon. Raymond. Ok, d'accord, donc là, on va aller au café, donc on est... Oui, il me semble qu'on n'y est pas encore allé, on n'est pas encore rentré dedans, parce que c'est fermé la journée, je crois. Donc ça, là, vous nous mettez-il de laisser la porte d'entrée ouverte pour que vous l'entendez ce soir? Voilà, moi, du monde. Ok. Attendez, il y a un nouveau client qui arrive à l'hôtel, alors que la ville est fermée, parce qu'il y a... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais on n'a plus de manivelle. On peut plus abaisser le pont-levis. Il y a personne qui rentre, il y a personne qui sort, théoriquement.
Oh, je sais plus où on en est par rapport à ça. Bon, enfin, je vais pas vous mentir, moi je pense que c'est le gars qui s'est crashé. C'est forcément lui. Ah, quoi que non, ça peut peut-être être Shellmake, tu vas me dire. Je sais pas. Oh, quoi que non, il va peut-être rester au manoir. Bah, je sais pas, surtout. Bon, allez. On s'en fiche, de toute façon. Allez parler à Gérard, donc on va lui reparler, à lui. Et bien sûr qu'on l'a retrouvé, voyons. Donc, après, j'attends. Non, mais, oui. Ah. Le gars, enfin, bon. Normalement, c'est pas toi qui dois dire je suis un gentleman, non, c'est les autres qui doivent le dire. Y'a pas un peu les chevilles qui enflent là, le Layton. Donc parfois on a l'impression de couleur, hein, ça va dire un tiens, ça me rappelle une énigme. Allez, petite énigme pour ne pas perdre l'habitude. En cavale, alors là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc un voleur est en cavale et il essaie de semer donc. La police, il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée par une... Ok, d'accord. Donc tout en bas de la carte, il rentre dans la ville, donc c'est quoi les paramètres? Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre. Il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou faire demi-tour. Et s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite, jamais tout droit. Comme indiqué donc sur la carte ci-dessous, donc cette partie de la ville comporte plusieurs sorties de A à G. Laquelle de ces sorties notre voleur pourra-t-il jamais prendre? Ok, bon bah sur le coup moi je vous conseille encore ici de faire une pause et puis d'y réfléchir. There we go. Every puzzle has an answer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a dépassé les 1000 picaras, ce qui veut dire qu'on est relativement pas mal, hein. Franchement, voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc on aura ouais, une petite partie des bonus à la fin du let's play débloqués. Je sais pas si je ferai une vidéo sur les bonus du jeu. Bah, dites-le moi si vous les voulez, mais bon, enfin, c'est pas la priorité. Pour moi, en tout cas. Parce que la priorité, c'est surtout l'histoire. Donc, sur le coup, donc, bonne réponse. Donc, si le bandit est obligé de tourner, donc, la bonne réponse, finalement, enfin, c'était B. Il peut jamais passer sur B. Même si je dois vous admettre que, sur le coup, je sais pas comment j'ai fait, mais la B, elle était possible. Mais vous inquiétez pas, non. Hein. Je l'ai vérifié, c'était bon. C'était bon. Au final, j'avais fait une erreur. Je vais pas refaire comme le dessin de la maison, là, un seul trait, dans le chapitre numéro 3. Au final, en refaisant sur une feuille, je me suis rendu compte qu'il me manquait une ligne, en effet. Il me manquait une ligne, mais sur l'écran tactile, je pouvais pas le voir, parce que je le faisais à l'arrache. Mais sur une feuille, c'est vrai qu'on le voit bien. Donc, vous savez déjà où on se trouvait jusqu'à l'entrée du village, donc le café se trouve au niveau du trois camps au nord d'ici. Ouais, je sais exactement où il est le café, c'est là où on a rencontré Zatwan. Oh, c'est... ok. Un tapis rond, bah là, franchement, c'est tenu à Layton, je sais pas trop quoi... enfin, je sais pas comment faire. Je vais voir... Ah, bah, journal, parfait. Les conseils de Béatrice, voilà. C'est pas mal pour l'immersion, ces petites choses-là, c'est pas mal. C'est une sorte de résumé de ce qu'on a vécu. Donc l'hôtel, voyons voir. Hop là. Donc lui, un tapis rond, c'est un peu trop moderne pour moi. Ok, bon bah ce sera lui. J'aime beaucoup cette forme. Ok, donc ça sera pour lui qu'au final. Je pensais que Layton allait aimer, mais au final... Ils m'ont enculé. Alors. Donc on est déjà à 3h50 de jeu en sachant que le logiciel m'a aussi enculé d'ailleurs. Mairie. Je crois qu'on n'est jamais allé à la mairie. Il va falloir que j'y pense la prochaine fois. Tiens, bah il y a un morceau de flèche qui... Ah d'accord, ok. Il y a un morceau de flèche du coup qui apparaît. C'est excellent. Ok. Oh. On va quand même faire des petites énigmes, hein.
Donc bonsoir monsieur, c'est pas l'heure d'aller au lit, mais... Oui, mais t'es encore dans la rue, toi, petite fille. Comment cela se fait? Comment cela se passe? Alors, 1000 fois. Oula, c'est quoi? Alors... Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Donc vous venez de trouver un papier sur lequel est inscrit donc le message suivant. 1 fait 1000. D'accord. Afin donc de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez besoin de faire est de remplacer chaque tiré donc par une seule et même lettre de l'alphabet. De quelle lettre s'agit-il? Alors attends, c'est quoi? Bon, on va les faire tous, hein. Je crois qu'on va pas chercher. Donc. There we go. Critical thinking is the key to success. Alors celle-ci, fallait capter quand même, hein, fallait capter. Elle peut être quand même... Moi, je vous conseille de retenir cette énigme et de la poser à quelqu'un. Vous allez voir, à ce coup, il va peiner. Donc, plutôt pas mal, cette énigme. Ouais, franchement, je l'aime bien, celle-ci. Donc, j'ai entendu dire qu'il y avait un monstre horrible dans la tour. Et ben, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Dans chapitre 3, vous avez dit aussi qu'il y avait un monstre dans la tour. Donc, ouais, bah, je me demande finalement ce qu'il y a là-bas. Donc, bibliothèque. Bon, on va la donner à l'île. On va toujours donner à l'île. Ça sera au début. Donc, il y a encore le chat. Donc, regarde le professeur. Il y a un chat ici. Oh, petit. Donc, tout devant les animaux, n'est-ce pas, mon chat Luc. Et voilà, une autre petite énigme à cause de ce chat. C'est pas la première fois qu'on clique sur ce chat et cette souris. Oh, alors, 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Donc, sachant cela, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Well, here's my guess. Layton's apprentice saves the day. Celle-ci, je l'aime bien aussi. C'est une petite question piège, finalement. Est-ce qu'on va avoir, finalement, tendance à dire 100 chats, mais au final, non, pas du tout. Il en faut 5, c'est largement suffisant. Bref, j'aime bien ce genre d'énigme. Alors, pour les trouver, j'ai galéré, quand même. Alors, pas là, parce que je m'en rappelais. Mais, la première fois que je le faisais, waouh. Donc, voyons voir. Elle est petite. Que j'ai à la maison. D'accord. La bibliothèque est bien utile quand il y a à remplir le livre. Ok, bon, pour l'instant, personne n'est content. Donc, pour l'instant, on va la laisser chez Luc. Ensuite, on a ça. Alors. Je vais tenter de faire ça. Pas du tout. Un boussole, je sais pas. Non, j'ai envie d'essayer un truc. Non, ça colle pas. Ça colle genre vraiment pas. Bah, je sais pas où le mettre ce truc. On va dire que ça c'est là. Et du coup, ça c'est forcément là. Non, je sais pas où le mettre celui-là. Bon, vous savez quoi? Pour l'instant, on va laisser ces deux morceaux ici, et on verra ça plus tard. Voilà, donc on est à 39 énigmes, c'est pas dégueu. Voilà. Tiens, c'est la première fois qu'on voit ici celui-là, par contre. Vous cherchez vraiment... Ah, vous n'avez pas trop. C'est génial parce que à chaque fois qu'on le rencontre, il pose une question, il se répond lui-même. C'est excellent. Qui sait ce qui pourrait arriver? Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Espérons que vous... Ok.
D'accord, le mec nous respecte. Y'a personne qui nous respecte le soir ou ça se passe comment? Oh non, mon Dieu! Je crois que je vais en avoir au moins pendant 20 minutes. Donc, essayez de sortir de ce labyrinthe. Donc, commencez en partant de la case centrale et donc essayez d'atteindre l'une des sorties de A à D. Voici les règles à suivre. Donc, vous devez vous déplacer d'exactement autant de cases que le nombre indiqué sur celle que vous indiquez. Ok, donc ensuite. Vous pouvez donc vous déplacer horizontalement. Ok. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de la sortie. Bon, d'accord, sur le coup, on en a pour 8 heures. There we go. Another puzzle solved. Bon, sur le coup, cette énigme, elle peut durer vraiment très longtemps. Et quoi? Vous ne pouvez utiliser que la sortie B. Bon, ça, je suis d'accord, mais regardez le schéma ci-dessus pour voir l'itinéraire employé. Cette énigme a l'air difficile. Mais j'ai pas du tout utilisé ça. Mais alors, pas du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai trouvé. C'est étonnant pour un type aussi futé que vous. Le Jésus le café, il est juste là. Donc, eh ben, nous allons rentrer donc finalement dans le café. Donc, et puis. Donc la tour pourrait se remettre à gros... Quoi? Faites-moi... Non mais il y a un monstre. Forcément, une commode, on sait. Alors faites voir... Qu'avais-je? Il est même assorti au mur. Toi tu me dis, ce tabouret n'a pas l'air très confortable. Ok, c'est parti. Puis, il le garde. On sauvegarde donc notre petite... Voilà, 4 heures de jeu. Hein. 4 heures de jeu, on n'est pas à la moitié. Bref, rentrons dans le café. Ah bah d'accord, premier truc où je clique, c'est une petite énigme. Donc il y a une énigme cachée ici, c'est parti. Alors, 106, trop de verre. De toute façon, maintenant, les énigmes, elles sont un peu mélangées. Hein. Alors, c'est parti. Donc, comme le montre la partie supérieure de l'image de ci-dessous, donc vous disposez de 6 verres. 3 verres pleins, suivis de 3 verres vides. Votre objectif est de faire donc en sorte que les verres se retrouvent dans l'ordre de l'image en bas, d'accord. En sachant que vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois, donc vous devez... tout faire tout seul et que d'accord et que vous devez tout faire donc tout seul pardon et que vous n'avez pas le droit de poser le verre et que vous tenez autre part sur les légères donc combien de verres devez-vous dépasser en tout. I think I've got it. Bon, sur le coup, je me suis fait avoir, mais alors complètement. Alors, j'étais sur une bonne logique. Le problème, c'est que, oui, ils ont pas tort, on peut finalement vider qu'un seul verre. Moi, je pensais qu'il fallait vider, enfin, deux verres, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'est pas ça le problème. En fait, moi, je pensais pas que vider un verre comptait comme un déplacement. Et... Bon, au début j'ai mis 0, puis au final j'ai mis 2, parce que ça me semblait logique. Mais non, ouais, c'est un verre. Hein. Ouais, je sais pas, enfin, vider un verre dans un autre, c'est pas vraiment un déplacement. Donc, facile. Oui, bon, ouais, facile. Moi j'ai mis tort deux fois, s'il te plaît. Hein. Doucement. Bon, est-ce qu'il y a des pièces SOS? Bon, en tout cas, il y a un zapone ici. Au canton de pouvoir, j'ai une énigme plus épineuse. Ah! Vous êtes prêt à aider un collègue détective dans. Eh ben, y a pas de soucis, tout cela est intéressant, mais je crois que nous nous sommes à l'esprit. Vous voyez le fait que je ne suis pas détective. Ah oui. Ça, c'est sûr. Bon, je pense.
Bon, c'est parti. Mise en pli. Ah, celle-là, par contre, je vais pas vous mentir. En fait, ça m'a choqué. Enfin, la réponse était tellement évidente que ça m'avait choqué à l'époque. Donc moi, je me rappelle de celle-ci. Donc, une ville ne compte que deux coiffeurs. Donc, il n'y a aucune autre ville à proximité. Donc, tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces deux personnes. Après vous, donc, à qui devriez-vous donc vous adresser pour votre nouvelle coupe? How does this sound? Lightning's apprentice saves the day. Eh ouais, pour ceux qui ont cru que c'était le B qu'il fallait dire, eh franchement, c'est vrai que c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est les deux seuls coiffeurs. Enfin, ouais, non, mais ouais, non. C'est vrai que sur le coup, c'est logique. C'est logique. Alors, peut-être que vous vous êtes pas trompé, hein, tant mieux. Et c'est vrai que sur le coup, moi, enfin, j'étais un peu vexé. Je me suis dit, merde, mais c'est vrai, c'est logique. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Donc, ce n'était pas si difficile, vous savez. Bah ouais, en vrai, ouais, c'était pas si difficile. Que dites-vous, vous êtes prêt pour une autre énigme? Laissez voir Mamie Mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon instinct de détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt donc devoir partir. Mais nous nous reverrons peut-être demain. D'accord, donc nous avons par contre un morceau de tableau, ce n'est pas dégueu. Ah, des fois je clique et ça marche pas. Ah! Bon, allez, ça c'est là. Ça, on va essayer de le passer. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas grave. Oui. Voilà. Je pense que c'est un truc comme ça au final. J'aime bien la petite musique quand on sort. On va voir ça après. On va d'abord interroger. Ah bah tiens, une petite pièce. On va interroger le barman, il va te donner son énigme et ensuite on va partir. Donc salut, je vous ai jamais vu ici. Alors, c'est moi ou c'est pas son nez? Non, c'est pas possible que ça soit son nez. Ou alors, c'est vraiment un vieux cliché du je suis barman, je picole. On est loin du Luke Cage là quand même, hein. Non, on n'est pas là pour mais tant pis, qu'est-ce que vous voulez savoir? Un des employés, okay. Le petit Raymond. Michel nous a parlé d'un vieil homme. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai qu'on a parlé d'un vieillard qui, oui, qui kidnappait les gens. C'est vrai. Auriez-vous par hasard? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de policiers ici, en fait. Il n'y a pas de gendarmerie ou de commissariat. C'est tout. Un petit village. Bon, vous allez me dire, c'est un village, mais si, quand même, au moins une gendarmerie, c'est la base. Après, peut-être que c'est un vieux village, bien reculé, je sais pas, moi, après. Alors, vous avez. Ouais. Ok. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe. Vous voyez, ça ne serait que. D'accord. Bien sûr. Vous êtes un vrai amateur d'énigmes. Bon, amateur, bon. Avoir un petit level, quoi. Eh bien, je vois que vous avez. Ah! Les amis, voici la seconde limite. Si on n'avait pas 30 énigmes résolues, on n'aurait pas pu continuer. Voilà! Eh ouais. Donc, vous voyez qu'au final, c'est bien de farmer un peu, de faire les énigmes qui s'offrent à nous. Et pas parce que moi au début j'admets, je pense que tout le monde l'a fait au moins une fois. Dès que tu voyais une énigme et qu'elle te disait pas, tu la zappais, tu quittais, tu zappais. Bah sur le coup, bah c'est pour ça que Zappone il nous dit d'aller voir Mamie Mystère. Parce que je pense finalement qu'on n'aura pas assez d'énigmes finalement. Mais c'est bon, on est bon. Allez, on continue. Donc, très bien, voilà vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu donc un vieil homme bizarre se balader donc, dans le village. Ce type s'appelle. Oskiuto, ok. Il vaut comme trois pommes, mais il mange comme un œuf. Ok. Savez-vous où l'on pourrait donc le trouver? Ah, c'est vrai que moi le soir j'aime bien grignoter aussi.
Je sais ce que c'est, je le comprends. Ok, alors avant de partir... Voilà, j'en étais sûr. Voilà. Ok, c'est bon. Et ben heureusement que je m'en rappelle parce que j'avais pas les flèches là. Puis même quand j'avais les flèches, enfin j'avais pas le trouvé hein, ce mec. Hein. Bon, c'est lui, hein, c'est sûr. Faut pas regarder, c'est une énigme cachée. Ah, j'ai cliqué sur un poulet. Et voilà l'énigme, la pyramide déguisée. Ok, c'est parti. Alors, l'image ci-dessous est le patron d'un tétraèdre. Ok, donc lequel de ces triangles devrez-vous donc utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera reformé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une passe sans interruption. Ok. How does this sound? Lightning's apprentice saves the day. Bon, malheureusement pour moi, je suis allé un peu vite. J'ai cliqué sur le dé, je l'admets, mais je suis allé trop vite en fait. Moi-même, j'ai été surpris parce que j'ai cliqué. C'était pas du prévu. Bon bref, donc c'est le C. Donc pour être dans CDU, il faut être indispensable de représenter les objets dans l'espace. Alors par contre, moi, non. J'ai rien imaginé du tout. Hein. Et voilà, passons à la suite. C'est l'air de dire, bon allez, on n'a pas que ça à foutre. Ok, des petites pièces SOS, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut sortir ici? Non. Bon bah, on va lui parler. Ok, il parle la bouche pleine. Mais c'est qu'il est poli. Le patron du café a laissé entendre que... Ok. Il m'a dit quelques détails à ce sujet. Ah, ah. Tu veux des bonbons? Ah la vache. J'ai pas flippé. Donc, lors du marché, quand j'ai vu cet homme vite dans la rue, il était vraiment effrayant. J'ai été le regarder de plus près, donc ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Je n'avais pas encore donc, acheté la. Ok. Bref, oui. Donc, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard. Ah, c'est qu'il est en train de manger en plus en même temps, c'est une texture. Et franchement, ce jeu-là, s'ils le font en dessin animé, je pense que ça va être cool. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Ok, d'accord, donc nous cherchons un homme avec une capuche sur la bouche. Merci du conseil. T'as pas une énigme? Enfin, c'est pas que on en a déjà pas trop fait, mais si, j'ai envie d'une énigme, qu'est-ce que vous voulez? Ah bah tiens, bah j'ai bien fait de refuser finalement de parler. Je n'ai pas vu aujourd'hui, en revanche, que vous n'auriez pas remarqué, je suis un peu occupé là. Ah non, d'accord, c'est qu'il nous dit également d'aller nous faire foutre. Hein. D'accord, super, bien sûr, nous partons, venez nous discuter pour l'instant, d'accord. Ah, il me fait bailler ce con. Donc c'est juste que je suis un peu fatigué. Bah, je savais que moi aussi. Il se fait tard, allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer. Je vous admets que moi aussi, j'aimerais dormir là. Oh!
J'adore ces cinématiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Oh non, nous avons perdu cette trace. Donc, truc, tu as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bel et bien de Raymond. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Raymond. Gardons la tête froide, Luc. Nous devrions retourner à l'endroit où Raymond a été enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Eh ben dis donc, le truc de la tour, par contre, c'est un peu effrayant, on va pas se mentir. Vous avez raison, professeur, allons-y. Nous devons examiner l'endroit où Raymond a été enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Pensez-vous que cela puisse donc nous aider à trouver le responsable des meurtres? C'est vrai, comme nous avions trouvé aussi un écrou comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelais pas de ça. C'était pour le meurtre de Rupert, si je ne me trompe pas. Donc c'est possible, en tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Bien, Luc, nous rentrons au manoir. Et le chapitre 4 est bouclé! Enquête nocturne. Bah, c'est cool! Ce chapitre, je l'aime bien. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime bien. Donc, le soleil s'est couché, Raymond est toujours absent, bref, voilà. Donc, c'est pas mal, on avance bien. Après avoir été témoin de l'enlèvement de Raymond, Luc et le professeur donc retournent au manoir. Je dois évidemment prévenir Madame. Donc madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Et vous, ok, la seconde victime du criminel qui a tué Rupert. Oui, c'est bien Rupert, tout ça. C'est ce que j'ai dit. Je sais même plus. Tant pis. Donc rien ne permet de l'affirmer pour le moment. Cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Donc nous devons organiser les recherches et les retrouver au plus vite. Ouais, bah il faudrait que tout le monde aille vers la tour. Hein, parce que comme par hasard, la tour s'est allumée pendant que Raymond se faisait enlever. Je suis sûr que le mec il se cache là-bas. Layton, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. La situation a évolué ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Raymond se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Non, un tueur en série, c'est à partir de 3 victimes. Je veux pas te vexer. Nous devons rassembler les habitants de ça. Quoi que vous allez me dire après, c'est vrai. Il a enlevé plusieurs autres personnes avant que Layton vienne ici. C'est vrai, je l'admire. Mais bon, c'est pas si... Ok, je me tais. Nous devons donc rassembler les habitants de cette terre et organiser des recherches. Layton, il me semble que c'est encore mon enquête. Donc, enculé, va te faire enculer, mon gars. J'en démarre, mais il y a personne qui nous respecte. On est des victimes! Le moment est mal choisi pour décider si il est judicieux ou non de réveiller le pitatoire. Bon, super. On se prend le chou avec lui. Oula. Madame, monsieur. Ok. Votre attention, s'il vous plaît. Enfin, Mathieu, vous voyez bien que nous sommes occupés. Que voulez-vous? Toutes mes excuses, madame, c'est au sujet de Raymond, il vient de rentrer au manoir. Il vient de rentrer? Oui, après la visite du professeur, je suis allé faire quelques courses au marché. Pourquoi? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici, mais what? D'accord, ok. Admettons, hein. Beau travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail. Bah là, c'est sûr que Layton, il a l'air un peu con, hein. Tout le monde ne peut pas un peu s'improviser. Ouais.
Mais on l'a vu se faire enlever juste sous nos yeux. Il faisait noir, j'ai dû me tromper. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée a été longue. Et un peu de repos nous fera un peu grand bien. Ok, donc retournez à l'hôtel. Nous sommes à 43 énigmes. On aura quand même... Alors lui, il s'appelle Gordon, non? Oui, oui, je m'en rappelle bien, je m'en rappelle bien. Donc j'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver ma... Ok. J'ai trouvé une révélation l'autre jour, je suis célibataire parce que je ne sais pas résoudre cette énigme. Ah bon, d'accord. Tu ne penses pas que c'est un problème de poids? Ah. Alors je veux dire, être gros, certes, c'est pas grave, mais là, toi, c'est pas du gros, t'es trop bête, faut pas se mentir. Non, vraiment, là, il a un triple menton, le gars. Ce n'est pas toi que je devrais ici. Je suis désolé, mais bon... Non, non. Certes, les petites poignées d'amour, c'est mignon, mais quand elles sont petites... Bon, il faut admettre que ces moustaches, certes, ça peut-être faire la... Ah, non, je me rappelle pas de ça. Alors... Si vous souhaitez faire un rectangle de la figure illustrée sur le schéma 1, donc il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2. Et néanmoins, cela nécessite de retourner la partie coupée avant de la recoller au reste de la figure. Comment devriez-vous donc la couper si vous voulez éviter d'avoir à retourner la moindre pièce? Ok. There we go. Another puzzle solved. La réponse saute aux yeux une fois qu'on la trouve. Bah c'est vrai que sur le coup, ouais. Disons qu'il fallait pas se focaliser sur le schéma qu'il y avait en bas à droite. Voilà. Fantastique, me voilà tout fébrile. Maintenant que j'ai résolu cette énigme, mes jours de célibat sont comptés. Bah on verra ça à la fin du let's play, hein? Allez, on retourne. Bonjour Mathieu. Madame s'est retirée pour la nuit, inspecteur Chemet également. Raymond est probablement au café. Votre journée a été longue, monsieur, vous devriez aller vous reposer. Bonne nuit. Bon, bah il a pas d'énigme pour nous, donc on va partir. Hein. J'aurais pourtant juré que c'était Raymond tout à l'heure dans la rue. Non, mais c'était lui. C'est juste que... Ou alors, un jumeau, je sais pas. Je suis certain qu'il s'agissait de Raymond. Quand nous l'avons vu, ouais. Ou inconscient, peut-être pas mort, peut-être pas quand même, mais inconscient au moins. Comment justifier son retour en pleine forme moins d'une heure plus tard? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé? Vraiment bizarre. Et Raymond n'est pas une exception, le trou de la joie aurait vécu une expérience similaire. Cela suffirait à créer une vague de panique dans notre... Ouais. Complètement, c'est vraiment étrange, il y a quelque chose de... Ouais. Énigme envoyée chez Mamie Mystère. On en a loupé que 3, ça va, c'est pas... Oui, très bien, ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai un message. Oh bonjour, j'ai reçu un appel pour vous d'inspecteur Shay quelque chose. Ok. Il a juste dit que c'était violent. Ok. Il veut sans doute nous parler de ce qui s'est passé hier. C'est possible, il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Ok, c'est parti. T'aurais pas une petite énigme pour moi avant qu'on aille au manoir?
Vous voyez cette boîte, je veux y mettre le super sandwich, j'ai pas parlé, mais... Ok, nous allons avoir une petite énigme à la Tetris. Drôle de sandwich, c'est parti. Un sandwich à la forme, donc pour le moins original. Ouais, tu m'étonnes, pourquoi elle a fait ça? Bref, donc a été composé à partir des restes de votre petit déjeuner. Donc combien de fois donc, devrez-vous couper ce sandwich pour le faire rentrer parfaitement dans la boîte? Alors, dans ces cas-là, je sais pas trop. There we go. Every puzzle has an answer. Bon, sur le coup, je vous admets, je suis parti du principe qu'il fallait me couper deux fois. Donc j'ai eu tort une fois. Sur le coup, ouais, je voyais pas ça comme ça. Je voyais pas ça comme ça. J'étais pas loin, hein, j'étais pas loin. Je tournais je savais que c'était horizontal. Il fallait faire une coupe horizontale, mais je savais pas exactement où. D'accord, je pensais pas que ça rentrerait comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, on a perdu deux picards. Oh, professeur, vous êtes vraiment le meilleur, merci de m'avoir aidé. Une chaise ordinaire, bon, bah, on va la donner à Leighton pour l'instant. Alors, donc déjà, journal. Voilà, donc je vous laisse lire, comme d'habitude. Les mystères. C'est vrai que ce grondement mystérieux, c'est pas d'où il vient encore. Donc, elle manque un peu de rondeur, mais c'est une belle chaise. Lui, il dit quoi? Oh, j'aime bien cette chaise. Bon, bah on va rester là-dessus, alors. Alors, est-ce que toi, t'as une petite énigme pour nous? On dirait que, donc, vous habitez à cette dessert tous les deux. Mais attention, ne baissez pas votre garde, rien n'est gagné. Vous devez rester une énigme. Donc dites, vous savez que vous pouvez réessayer de résoudre les énigmes sur lesquelles vous avez buté. Mais attention, certaines énigmes ne sont pas là lorsque vous voulez retenter votre chance. Ah oui, c'est... Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense que on n'a pas besoin de revenir sur des énigmes et tout ça. Mais pas de panique, les énigmes que vous croyez perdues donc vont simplement changer de place. Vous devez trouver la maison de Mamie Mystère, évidemment. Donc là, en fait, ils essaient de nous dire qu'il va y avoir une autre limite d'énigmes, en gros. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on fera le nombre nécessaire. Il me semble que la toute dernière limite du jeu, c'est 75 énigmes. Il me semble. Je suis plus sûr. Et c'est à la fin du jeu, donc on attend. Ah, je connais des... C'est bon, c'est celui-là. Que je pensais qu'on allait buter sur celui-là au début de l'épisode. Bon. Le musée de la ville accueille donc une exposition dont les pièces ont été réparties dans 9 salles. La figure ci-dessous donc montre l'organisation des salles. L'entrée du bâtiment est indiquée par la lettre A, tandis que la lettre B indique la sortie. Le vigile, chargé des rondes de nuit, est un partisan de moindre effort. Il veut parcourir toutes les salles de l'exposition, tout en essayant un minimum de virages. Combien de virages devra-t-il effectuer au minimum? À titre d'exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande donc 6 virages. There we go. Another puzzle solved. Elle est pas mal cette énigme. Donc voilà, il fallait finalement 2 virages. Bien joué si vous l'avez trouvé. Voilà ce que j'aime. On dirait que mon entraînement porte ses fruits. Bon là je la donne à Luc parce qu'il a la chaise. Tiens Percy, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
On n'avait toujours pas mis la main donc sur cet odieux personnage. On vit un drôle de monde, je vous le dis. La réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. En parlant de fiction, écoutez-moi. C'est... Ah, une petite énigme de Percy, c'est parti. Oh là 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 là. Plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image ci-dessous. Les lignes montrent les zones où les feuilles se chevauchent. À son point le plus épais, donc, combien la pile compte-t-elle de couches de feuilles superposées? J'ai envie de pleurer. Bonne chance pour vous. That should do it. Another puzzle solved. Non mais je suis nul, c'est incroyable. Je savais que c'était 5, je le savais. J'avais compté les feuilles, hein. J'étais sûr à 100% que c'était 5. Sauf que, à un moment donné, je sais pas pourquoi, au dernier moment, je me suis dit non, j'ai oublié une feuille, et j'ai mis 6 comme un con. Donc voilà, ça fait une erreur en plus. Ah mais c'est pas vrai, j'avais jamais juste. Ah, j'aimerais pas douter de moi comme ça. Bon, excellent travail, mais je pense que les énigmes de mon prochain livre donc seront bien plus difficiles que celles-ci. Si vous vous savez, ouais, ça fait tard. Donc là, je fais un maximum d'énigmes pour qu'on soit tranquille après. Bonjour professeur, comme toujours, vous avez l'air occupé. J'aimerais bien vous donner un coup de main, vous voyez, regardez un peu cette énigme. Ok. Ci-dessous se trouvent 6 anneaux. Bien qu'ils semblent complètement empêtrés les uns dans les autres, vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne continue avec 5 restants. Quel anneau, donc, devrez-vous retirer? There we go. Every puzzle has an answer. J'ai encore douté de moi. Non mais c'est fou. Oh, c'est fou. J'hésitais entre la A et la D. Donc au début j'ai mis la A. Et puis ensuite j'ai paniqué, j'ai mis la E. Et puis après la D. Mon dieu, c'est fou. Je crois que la fatigue me gagne. Bon, donc comment il fallait faire. Il faut que je vous avoue, ça fait des jours que je... D'accord, ok. Et c'est là où il donne un tuyau. Oui, je suis marrant, je suis très marrant comme jeune homme. J'ai vu ce vieil homme, ouais. Je vous parie que vous êtes... Ouais, d'accord. Ouais, bon, j'avais raison, au final, il se cache bien dans cette tour. Je me disais aussi... Une pile de livres. Alors on avait donné ça à Luc, je crois, non? Je sais plus exactement où on en est. Bricole. Ah d'accord, il y a le haut du crâne qui comptait. Ok, donc l'hôtel. Je vais ranger tous ces livres dans la bibliothèque, et là, dès qu'on le tient, je ne crois pas avoir lu celui-ci. Wow, ça fait beaucoup de livres, je me demande si je pourrais tout lire. Bon, on va tout laisser à Luc. Il a besoin de lire le pépère. On sauvegarde, mais bon, je pense que ça sert à rien. Allez, on va foncer au manoir directement. Tiens, chat. Tiens, regarde qui voilà, c'est cher Claudia. Ouais. Justement, ça me rappelle une énigme. Alors, le truc de chat Valence. Bon. On va rien dire. Ouf! Ah oui, ça par contre, elle est dure. Donc, des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat donc indique son poids. Les exemples 1 et 2 donc, vous donnent une idée des rapports entre les différents poids. Donc,
On place 3 chats, donc rouges, et 4 chats noirs. Donc sur le plateau gauche, une balance. Sur le plateau droit, on place 4 chats blancs et un chat noir. Que va faire la balance? Ok, donc c'est parti. C'est parti pour la réflexion. Well, here's my guess. I did it! J'ai encore fait une erreur. Non, excusez-moi, mais là, c'est vrai que sur le coup, je suis un peu mauvais. Mais c'est que je vais trop vite, en fait. Là, je suis allé trop vite. J'avais le bon raisonnement, sauf qu'il me manquait un blanc, en fait. J'ai oublié de compter un blanc, et donc sur le coup, bah, pour moi, ça, c'était équivalent. Les points étaient équivalents, alors pas du tout. Bon, c'est pas grave. Donc, une fois que tu as trouvé la bonne réponse. Mais ça va, elle est facile, c'est juste que sur le coup j'ai oublié de compter une tête de chat blanc. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc? Ok, bon, on a quand même une petite façade. Bon, on a un côté de tableau qui est fait là, c'est pas mal. Et on a fait finalement nos énigmes finalement. Hein, on est bien, on est bien. Ok, donc Loremo, où il est? Bon, je pense qu'il est vers Arbark, comme d'habitude. Oui, évidemment. Ouais, c'est bizarre, ça. Encore... Alzheimer. Eh oui, encore et... Tu fais encore et toujours. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. À moins que ça soit un imposteur. Parmi ses proches et ses amis, le baron comptait donc peut-être quelqu'un. Ok, donc je pense que dans le prochain chapitre, nous allons donc chercher une indice sur la pomme d'or.
Et voilà! Donc le chapitre 4 est officiellement bouclé. Nous allons commencer le chapitre numéro 5 en chasse. Il est temps de partir à la recherche de la pomme d'or, explorer le village pour trouver des indices. Et ce sera dans le chapitre 5, et j'en suis sûr à 100%, que nous allons avoir notre phase d'égout. Non mais c'est bien, c'est bien. Bon bah sur le coup les amis, je pense qu'on se rapproche doucement de la moitié du jeu. Je pense que le prochain chapitre c'est la moitié du jeu d'ailleurs. Ouais, je pense que ça pourrait correspondre à ça. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah désolé pour les problèmes techniques. Moi j'espère que je vais pouvoir y remédier, mais bon, je vais pas vous mentir, ça pue. Bon, allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.